L'invité de l'heure des pros, Philippe Bilger, a réagi à la sortie du nouveau livre de François Hollande, mais aussi à la vision de la France d'Éric Zemmour. En pleine émission, alors que le portable de ce dernier a vibré à de nombreuses reprises, Pascal Pro a déclaré en plaisantant « On va essayer de ne pas déranger Philippe Bilger parce qu'il est en train de faire son courrier personnel. Il a commencé en début d'émission parce qu'il a sa note BEDF à payer, voilà, donc il est en train de faire tout son courrier etc. Tiens, avec qui vous textotez? Ça m'intéresse. » Confus, Philippe Bilger a répondu « Non, je viens de recevoir un SMS. » Légèrement agacé, Pascal Pro a quant à lui lancé « Non, c'est pas vrai, vous étiez en train d'écrire. Vous mentez en plus. » Alors que le magistrat a assuré qu'il ne mentait pas, le journaliste lui a lancé « Regardez-moi dans les yeux. » Finalement, Philippe Bilger a répondu « Je voulais transmettre un SMS que j'avais reçu pour être franc. » Après que Pascal Pro lui ait demandé à qui il écrivait un message, ce dernier a révélé qu'il discutait avec un journaliste, ce à quoi la star de CNews a répondu. Ah, maintenant, vous recevez des journalistes et vous faites le petit télégraphiste. Amusé, Philippe Bilger a déclaré, je ne pensais pas susciter la curiosité de Pascal. Toujours en gardant le sourire, Pascal Pro lui a répondu, mais c'est parce que je voudrais que vous soyez avec nous. Philippe Bilger n'a pas apprécié la remarque de Pascal Pro. Légèrement agacé, le magistrat a fini par lancer, Pascal, on n'est pas complètement débile. Je peux écouter votre pensée et en même temps accomplir un geste. Ce à quoi lui a répondu le journaliste, je suis d'accord, mais je ne trouvais pas ça courtois de votre part. Finalement, Philippe Bilger a ajouté, vous avez raison. En général, je ne le fais jamais.